Exactement, de cette D'abord, époque-là. thématique. Oui, Thématique des des années thématiques, 80, oui. thématique, il y a universalité du kimbanguisme. D'accord. L'universalité de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par Papa Simon Kimbangu. OK. Partant du traditionalisme, de l'exénophobie qui existait en 1921. C'est fort ça comme terme, xénophobie. On était à ce point-là? Inconsciemment, mais pratiquement oui. Parce que déjà, tension est à qui. Entre eux. Quand les Blancs venaient en Kamba, Oui. et que les Noirs d'ailleurs, ils ont un monument à joie qui photo à dessiner roi David, dans les 6 juin, je crois. Mon numéro 21 à joie qui photo, a dessiné roi David, Abomi Goliath. Alors, il vient montrer les Blancs qu'attention, t'as là. D'accord, T'as là, comment est-ce que. Roi David, moi, qui a Abomi Goliath. Hein? ouais. Donc, Bino va belle tour Bomabino. Hein? Ouais. Donc les Congolais qui étaient assimilés à David, qui étaient C'est lui. inférieurs Voilà. en force par Voilà. rapport Ça, à Goliath. c'était les pensées. Il y a peuple de Dieu, peuple du Congo qui ont reçu Papa Kimbangu. Mais ce n'était pas ça D'accord. la pensée de Papa Kimbangu. Papa Kimbangu annonçait déjà que non, voilà, bah, au Kangangai, au Azamaka, c'était Aken Alongwa. Tourozongisate. Bagutungisangamingi. Oui. Le Mais 6 ça, juin pas ça la moussa 1921. la bango. Voilà. Donc, du point de vue Papa Kimbangu, la menace, La la violence. violence des Belges n'était qu'une mise en scène divine. D'accord. Ça ne constituait pas un point que Oyo Mutumil a un positionnement contre les Blancs. D'accord. Parce qu'il a bien dit dans Matthieu Anaïe, haïsser les Blancs, c'est être hors l'évangile de Jésus. Donc, tout échoué. D'accord. Donc il était complètement au-dessus de tout ça. Mais quand il a dit noir deviendra blanc, blanc deviendra noir, ça signifie quoi? C'est profond comme Ce n'est pas que noir prendra l'avantage de blanc, non. C'est la symbiose. C'est ça la philosophie. C'est la symbiose en fait. Mais du point de vue égocentrisme, du point de vue de toi, tu peux dire que non, bon, on avait dit l'homme noir deviendra blanc, donc moi je vais devenir blanc et puis blanc devenir noir comme moi, donc Donc je échange. serai le patron et ça Mais sera si c'est une mon échange, serviteur. si c'est un renversement, Dieu va gagner quoi? Mais alors que les enseignements kimbanguistes nous démontrent pourquoi nous sommes retrouvés dans cette position de privilégiés, c'est suite à nos péchés cumulatifs, des malédictions cumulatives qui ont suivi, et des siècles et des siècles. Hein? Et c'est pourquoi des Blancs viendront à Papa Dianguin Dakoutim avec les années 90 pour dire que nos papas, on nous a envoyé pour vous dire que non, votre emprisonnement de 4 400 ans est terminé. Mais ton compte qui a mon. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je vous disais en passant que Moutoumouine dans l'icolo en a recontaté. Mais tous les cas, il n'y a pas de problème, tu rejoins l'homme. D'accord. Et donc on arrive aux années 80 avec l'inauguration du temple de Nkamba et le thème maintenant c'est l'universalité. Kolo Yesu ya solo yo mwana wa Nzambe oyebi pasi ya bato banso aose tozala kilokola bitike aose lelo tozwi lisiko euti paya yo totondi yo botondi solo enkolo wa biso na maso bongiseli mabota maso se mindele pe bayindo bokeseni bojalite D'accord. alingi bato banso bakende paya ye. Deuxième couplet. Ayaka o mabota maleki manene azuwaka minioko abomamaka pe likabo ya molimo atikela biso tokangamaka na ye elonge monani. Voilà, chanson D'accord. universelle. Kolo Yesu, mwana wa Nzambe, ayebi pasi, il connaît les souffrances de tous les peuples de la terre. Il veut que les blancs et le noir soient ensemble, et pas inaïe. D'où le passage Mindele na Batumwindu Bokeseni Ezalité. Ben Donc voilà. pour ceux qui connaissent pas Lingala, Voilà, voilà. il n'y a pas Voilà. de Pas mal différence, de il n'y a plus différence. de Voilà. différence entre l'homme noir Voilà, et voilà. l'homme blanc. C'est une des missions, je dis bien, une des missions de Papa Kimbangu. Une des missions. Une de ses missions, la réconciliation raciale. Ce que Mandela a fait avec les Steve Biko en Afrique du Sud, Black Consciousness, la conscience noire, avec le Aimé Césaire, le Kwame Nkrumah, donc le panafricanisme. C'est juste une des missions.
C'est ce que les Burundi à Congo s'attachent à cela, avec le mouvement des panafricanistes qui sont allés en Kamba maintenant avec Maman Reine des Midi. C'est les panafricanistes. Voilà. Ça, c'est justement un des aspects, une des dimensions des Papa Kimba, où je vous ai dit ici, là. De cette dimension dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, donc l'église Kimba, oui, c'est que nous sommes, on doit savoir que Papa Kimba, quoi, ça, multidimension. Quitte à nous de savoir, c'est pourquoi Papa Dengue avait organisé Ujeki na Seka. C'est-à-dire que des étudiants qui m'angissent. Parce qu'il y a des thèmes qui vont au-delà de la liturgie. Mmh. Papa Kimbangu est Dieu. Un Dieu est dans la science, et à l'université, et dans la technologie. C'est l'intelligence, je vous ai dit, esprit de l'intelligence, de la connaissance, du savoir, de la sagesse. Mmh. Intelligence, connaissance, savoir, sagesse. Quatre dimensions différentes. Vous êtes à Paris. T'as l'intelligence, il y a métro, souterrain. Mmh. T'as la balance. Mmh. T'as la balance informatique, il y a métro. Mmh. T'as la balance, il y a tioterie, il y a maille, il y a toilette. Bah, building est en dami boy. Toilette est kiti, et kewapi. C'est pas ça l'esprit de la science, de la technologie? Tout à fait. Voilà. Et Papa Kimbangu a commencé un peu. Mandombe, Mabeladio, prends ça. Je suis que la raille quelque part, Rwanda. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Alors, donc, bref, maintenant, pour nous accéder à la dimension scientifique et à papa, il faut tout passer par point initial, où ils allient repentance. Parce que lui, il est Saint-Esprit, mon papa. Il y a un assaut pour l'humanité. Bon, papa qui va partir, nous autres, continuons à nous dire, surtout ça, quand papa, toujours, il a caca. Vous comprenez pourquoi les papas partent? Voilà. Donc, ce qui gênait, c'est ça, prudenté. Les papas vont continuer à partir, les chefs tuteurs vont continuer à nous quitter, et nous, Bilagat ou Zilarakak. Faut y a papa te. Faut y a l'homme noir à se comprendre. C'est pourquoi tu écouteras papa dire à Brasa qui est non. Non, quand, pardon, mon tumin doit y avoir un aïeté. Les Mbouta sont allés demander pardon. Mais est-ce qu'ils ont cherché papa, mais tu y a raté, et tu y a raté, banda quand, banda na dame na Eva. Tu l'attaques ça qui est Mikolo, tu sais, tu es au aucun sens à philosophie. Oh! Les Daniels là-bas en Israël. Écart entre Daniel dans Jérémie, plus de 500 ans. Mais Daniel a tangi. Ah, mais Jérémie, t'as envoyé qui, qu'on a vu ça? Bah, t'es un magi, ah, ouais. N'zamba l'obé qui t'en a vu, mais aussi là, ah, ouais. Dit aux hommes, il a eu. La jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas réfléchir. Il ne veut pas réfléchir, que analyse. Vous voyez? Comment papa dit que Moussoum l'a raté? Aïe. Et récemment, papa vient de dire à Boissa, tu rebandes la zéro, tu rebandes la quoi? Tu rebandes la 1921? Tu rebandes la 56? Tu rebandes la retraite à 73, 73? Ou on recommence na Boulatissaki na 90? Ou on recommence na 2001 na résolution ou quoi? Qui a posé cette question? Aucun jeune? Aucun? Voilà. Et Dieu parle. Ah bon papa, bon, ouais, on est là. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Ça, ce n'est pas, c'est pas notre faute, c'est l'émotionnalisme de l'homme noir. L'homme noir n'est pas naturellement rationnel. C'est pourquoi le un quart de l'intelligence que papa a donné aux blancs, papa Dengue avait dit, récupérez d'abord le un quart là, donc allez à l'université, et puis vous allez, on va vous ajouter les trois quarts pour compléter l'intelligence des dieux. Vous voyez? Oui. Les incarnés, ils ont fait la fanfare. Ils ont fait Yoibaki Katange. Cuivre, c'est au Katanga. Et le Katange pouvait créer ce bigle-ci. Bigle, où il y a ça? Papa, oui, mathématiques musicales. Quand je joue le synthé, la note do, tan, tu joues bigle, do, tan, plein de violons. Tui, même fréquence. Quel calcul mathématique, papa? Trigonométrique. Il y a son musical. Et quand Mbundé, ah ouais, donc, même fréquence. Mais calcul en industriel. Mais papa peut nous donner tout ça parce qu'il est le Saint-Esprit, il est avec nous. Exactement. N'importe quoi, Mawana. Repentance, purification. Tant que je vous mets là, allez, tu te pousses à la caca. Tu te comme la boule à Tissaki, en 90. Toi, tu as ça qui est Adam Naïve. Mais 73, retraite, c'est positif. Temple en camp de Fungwami. Chant universel, il y a pas de baye. Chant universel, c'est lequel? Mais je dis, d'accord. Chant universel. Vers 80, 81.
Nzembo Moko Lusuna Bakisa universel.